Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Vous apprenez le français, vous comprenez déjà quand même bien, mais vous auriez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire avec l'accent québécois, le vocabulaire, les expressions, la prononciation. Ben, j'ai quelque chose qui pourrait fort probablement vous aider. Est-ce que vous savez que ma prof de français offre du matériel pédagogique exclusif à certains abonnés sur la plateforme Patreon? Donc, c'est beaucoup des exercices qui sont tirés, qui sont faits en fait à partir de matériel authentique. Fait que je vais prendre un extrait de film québécois, d'une série, d'une émission de radio, d'un monologue d'humoriste. Je vais faire un exercice à partir de ça. Je vais inclure des transcriptions phonétiques, des lexiques, des explications. Il y a des fois des leçons vidéo, des aides-mémoire imprimables. Donc, une panoplie de ressources pour vous aider avec l'apprentissage du français québécois. Si vous voulez avoir un aperçu de ce genre de ressources, j'ai deux activités qui sont gratuites, qui sont ouvertes à toutes. Je vous montre à l'instant comment aller en profiter. OK, alors on se rend sur le site patreon.com et on recherche « Ma prof de français ». Quand on arrive sur mon profil, vous allez voir les différents niveaux d'abonnement qui sont disponibles. Pour avoir accès au matériel pédagogique, il faut être au moins un abonné Elvis Gratton. Donc, il y a, bien sûr, là, vous allez avoir accès à toutes les capsules anticipées, la transcription de toutes les capsules. Tous les avantages sont cumulatifs. Alors, si je prends un niveau supérieur, j'ai tous les avantages des niveaux d'avant. Il y a une petite vidéo qui vous donne les raisons pourquoi soutenir ma prof de français, le nombre de contributeurs. Si vous devenez contributeur maintenant, vous allez débloquer déjà tout ce qui est en ligne. Fait qu'il y a déjà plusieurs publications, plusieurs exercices, plusieurs ressources qui sont placées. Et j'en ajoute au moins 3 par mois. Mais là, si vous voulez voir ceux qui sont gratuits, on descend jusqu'en bas et puis on clique sur « Voir les 32 publications ». Et puis là, vous allez avoir accès à chercher avec des filtres dans l'option « Niveau ». Choisissez l'option « Public ». Vous allez trouver les publications qui sont gratuites, ouvertes à tous. Il y a la leçon vidéo sur la prononciation. Il y a des exercices aussi de prononciation pour les sons « e »,« e », « e ». Puis, il y a l'autre exercice ici qui est de compréhension. C'est un texte troué avec des mots à remplir, un petit lexique, une transcription. Bref, plein de choses pour vous aider avec le français québécois. Profitez bien de ces belles ressources.